Bonjour mes belles âmes et bienvenue pour la pause café d'aujourd'hui avec l'oracle Le chakra du cœur d'Isabelle Serre. J'espère que vous allez bien. La carte qui est sortie est Tu reçois des signes. Tes guides ne veulent pas que tu te sens désemparé et ils te disent bien que tu n'es pas seule. Tes appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur et ils sont là pour te rassurer. En ce moment, tu peux te sentir très seul alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Les choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes. Même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes, il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc, regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Alors pour la date, eh bien, ça nous dit l'année prochaine. Cette année, tu n'es pas forcément dans une énergie de réalisation concrète pour ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que tu dois encore patienter, car les événements pour le bonheur que tu attends se dérouleront davantage l'année prochaine, plutôt que cette année. Tes guides ne veulent pas que tu sois déçu ni que tu sois dans l'impatience, car plus tu voudras brusquer les choses, plus il y aura des blocages et des retards. Tes guides savent que tu as beaucoup donné aux autres et que tu attends juste une vraie harmonie avec une personne qui te comprenne et qui te soutienne. Ta vie extérieure va changer en lien avec ta vie sentimentale. Mais surtout, à partir de l'année prochaine, alors prends du temps pour toi, pour te réparer, pour faire ton deuil, pour te préparer à des énergies, des nouvelles énergies à vivre et des choses extraordinaires. Alors, cette année est une année de transformation et de transition. Patience, patience, patience. Belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.